L'information que nous faisons que je viens là, eh bien, après une réunion, on dit une réunion tendue, qui t'a gagné hier vendredi entre Gary Conille et conseil présidentiel, on dit entre guillemets. Et puisque nous connaissons trois annexes, il y a des dossiers louches dans le BNC, et sans tout faire, les annexes ont été supposés déplacer pour régler le dossier ça. Donc, réunion très tendue, et après réunion, conseil présidentiel là, déclaré qu'il aurait révoqué Gary Conille. On va regarder, Jean-Bagay, ça a fini. Ça fait longtemps que Négro a boumé, il est clair sur ça. Négro a passé pas quatre mots. Il dit qu'il faut que nous ayons contrôle ministère. Il faut que nous venions dans le même ministère. Il parle de remaniement ministériel. Donc, il y a des ministres clés. Dans le temps, problème de sécurité qui a bail là. Et c'est ça, Négro. Il faut qu'on ait un ministre clé. Songez à maintes fois, Négro parle de remaniement ministériel. Gary Conille était ferme sous position. Pas bien causé ça. Est-ce que pour une deuxième fois, Gary Conille vraiment passé comme on l'était à la poste, songez Jean que et Michel Matéli, t'es vous et monsieur Allé. Donc là, nous voilà qu'on est dans le jour Cap-Vina. Réunion ça, qui dit qu'elle a donné seulement Leslie Voltaire, puisque c'est en fait, en d'autres termes, l'autre, et conseil présidentiel du pas de place, c'est seulement Leslie Voltaire. Il y a deux observateurs qui viennent dans le conseil là, Fresnel, avec régime qui était là. Maintenant, l'autre même conseil présidentiel qui pas participé dans la réunion, ça, justement parce qu'il était fâché, il était décidé de boycotter la réunion, ce qu'il était voulu montrer, à clair, qu'il y avait des désaccords avec le Premier ministre, qu'il reprochait. Mais en correspondance, côté que tu t'es exprimé opposition, et ça après, il a changé le ministre du gouvernement, et monsieur, il n'est pas déjà mis de l'embouchure pour le demander, il faut qu'on mette à l'écart conseiller qui impliqué dans l'affaire corruption avec BNC, qui t'a fait un sens. Pensez, même pour certains temps, ça a été fait. Pas à comprendre. C'est conseiller toute grosse décision. Parce que normalement, on bagaille loup comme ça. Et que, je pense qu'il t'a mieux que, justement, tu mettais au service de la justice pour éclaircir, qui t'a après, si vous t'a retourné dans le poste. Pendant les années, ça, yo, pendant la discussion qui t'a fait, et, mais ça, il t'a bagaille connu, c'est sans équivoque. Sans, bah, il dit, conseil présidentiel là, vous voulez voir qu'il y ait un contrôle ministre important. Ça l'a dit. Le premier ministre, lui-même, qui n'est pas prêt pour le céder. Parce que la vérité, ça vous comprenez, son garde de pouvoir, dit clair. Céder, vous dit qu'il ne peut pas diriger. Parce que c'est en conseil des ministres qu'il prend toute décision. Une atmosphère qui est très tendue. À ce moment-là, Dieu était gagné Régine Abraham, qui a participé à la réunion, qui est comme observateur, était obligé de quitter ça là, il était frustré, d'après lui-même. Et Jean Baralat, il t'a parlé des frustrés. Justement, il dit d'après propos de Gary Conille, il quittait celle-là. Après départ du Premier ministre, après rencontre, conseiller présidentiel a prolongé réunion à huis clos pour discuter sur l'événement. Selon ça qui relayait, notamment le Nouvelus, il y a une résolution qui visait à renvoyer Gary Conille. Résolution ça qui est signée par 5, 7, vous connaissez 7 monde? 5 dans 7 membres conseil là. Et gain simplement Laurent Saint-Cyr et Edgar Leblanc qui, justement, te prend abstention de résolution ça. Et conseil électoral a convoqué État-major Force armée d'Haïti au commandement de la police nationale là. Et nous réunion, il n'y a pas bien l'autre 10 jours là. Donc là, nous allons regarder qui j'ai causé ça après le fini. Est-ce que, effectivement, eh bien, et conseil présidentiel là a arrivé gagner effectivement le dessus sous Gary Conille, c'est un point d'interrogation. Et dans le moment que n'a parlé avec ou là, c'est vraiment un point d'interrogation. Bon, il est clair, guys. Et il est clair que il y a une possibilité pour nous arriver là. Mais il faut que nous zoomions l'autre bord. Et gagner. Et en tout cas, d'après Gary Pierre-Paul Charles, il dit qu'il y a des sources, département d'État, qui a demandé à CARICOM pour joindre avec un juge dans la cassation, ou président de transition, mais ministre Conille, pour être en place. C'est une compagnie qui a fait là. Donc, il est capable de dire, on retire tout le radot ça. Et puis, comme je ne sais pas, on est 7 ou bien 9 conseillers présidentiels. Au moins, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas miracle. Non, mais il est belle. Tout pile comme ça. Tout pile comme ça. Neuf, 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 c'est gaspillé comme il met au tombé goût, mais il va gagner.
Il est vraiment belle, vous comprenez? On y retire, mettez au niveau de cassation. Il est vraiment belle. Parce que c'est un véritable gaspillage. Et pendant que le pays a toutes les ressources qui sont supposées mobiliser pour sécurité, parce que sécurité, c'est son premier souci. Il y a un groupe nègre qui est entré dans l'idée bataille pour pouvoir, alors que pourquoi j'aime bien rien qui fait. Ok, j'aime rien qui délivre. Nous, pays qui n'ont pas contrôle le gang totalement. Je dis, je parle avec un Haïti qui grand business. Il dit, c'est 30 000, 10 000 dollars le bail chaque mois. C'est 30 000 dollars le bail. C'est en bas négociation. Il dit, pour le gang business, chaque mois, pour le bail 10 000 dollars. Il vient d'où? C'est 10 000 dollars. C'est en bas en pile négociation parce que quelqu'un qui dit, bon, là, il y a un petit problème comme ça, le paraître sans attendre, il débloquer, ou bagaille, comme si on avait patron. Donc, je cherche 10 000 dollars pour le bail chaque mois. Ça m'a dit là. C'est réalité en pile business. Et dans, et vous ne comprenez pas l'idée gang. Les gangs, vous avez contrôle la zone. Dans ce sens-là, vous ne comprenez pas. Chaque business, chaque monde qui a bagaille, ou un tarif. Ou un coq pour le bail. Donc, ça veut dire que vous avez bien passé. C'est un pays qui est complètement livré par des gangs. Vous comprenez côté que c'est territoire PAM, qui est un brassage, vous comprenez. Et puis, bah, il y a un marché. Vous comprenez? C'est comme ça lié. So, et maintenant, nous pensons que, effectivement, il faudrait que le conseil présidentiel, ça, une fois pour toutes, parce qu'il veut transmettre le dossier de la justice, il va répondre aux causes de la justice. Au lieu de chita, qu'on est là, au lieu de président, il a signé une lettre, il a voulu mon aller, et puis, qui ça encore? Il a besoin de ministre. Il a besoin de ministre. Ça ne veut rien comprendre. Faut nous dire dans point bas là, la mort c'est bataille. Gary Koenig doit faire conseil des ministres et tout. En fait, si, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire rien. Nous avons voué les tuyaux, nous avons tant. Moi, je pense que Gary Koenig est capable de jouer le tout pour le tout. Jouer le tout pour le tout. La grande équipe constitutionnelle là, son accord, nous avons pris une résolution pour évoquer ou même tout réunir un conseil des ministres. Et puis, nous prenons une résolution, croiser conseil présidentiel là, d'assez. Non, rien de constitutionnel là. Vous comprenez? Pas grand rien. Pas grand rien de constitutionnel qu'a fait là. Vous comprenez? So, nous autres, nous pensons que Gary Koenig, depuis que vous voyez l'être bas, c'est vous qui avez un gouvernement. Vous comprenez? Et vous réunissez justement le Conseil des ministres, vous faites action tout. Vous comprenez? So, c'est dommage, guys, pour ces sujets, ça, on a parlé là, pendant que. Et gagne vraiment des problèmes profonds. Gagne de ces problèmes profonds. Ou pays à ta résoudre. And then, et ou gagne, et yon couteau tiré entre le conseil présidentiel et Gary Koenig. Donc, Gary Koenig, bagan, quand pays chaud prend résolution, ou dit bon, crase le conseil électoral là. Vous comprenez? Ou non-respect de ça qui te dit dans l'accord, parce que. Dans quoi il te dit que y a une condition pour mon tout capable conseiller présidentiel. C'est ça dit tout. Si les vous capable dire il y a une condition, c'est si mais il y a une condition et toi monsieur ça, il n'a pas rempli condition, il n'a pas qualifié de cette. Donc par conséquent et par conséquent résolution il n'est pas valable tout. C'est ça lié. En tout cas, et nous allons suivre ça quoi le passé dans le jeu qui va venir.